Tu vois quelque chose, toi? Non, pas encore. Tu es sûr que c'est ici? Je sais pas. Dis donc, la porte par où on est entré, là. C'est par là, je pense. Tu es sûr? Je pense. Sais-tu pourquoi ils nous ont fait venir? De moins en moins. Pas pour nous faire peur? Dis-toi, dis pas des choses. Hey! Qu'est-ce que c'est? Y a pas de mal? Un escabeau. En bois franc? Oui. Ah, c'est les plus dangereux. On dirait que c'est Félix Leclerc. C'est bien possible. C'est toi, Félix? Oui, c'est ça. Donnel, Lionel, je suis avec Pierre Baudet. Salut. Bonjour. Bonjour. Fait noir, hein? Oui, on voit rien. Bon, qu'est-ce qui t'arrive encore? Voyons, j'ai appris quelque chose de dur, je me suis fait mal. Pauvre Félix. Où est-ce que vous êtes? Ici. Devant toi, fais quelques pas. Encore? Allô? 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 Je n'ai pas de lumière ici, non? Allô? Oh. Ça, il n'y a pas d'erreur, c'est un homme à l'enfant. Ah! Oh. Oh, bonjour! Bonjour! Venez donc! Mais je vois rien, il n'y a pas de danger. Par ici, tout noir, venez, venez! Il n'y a pas de danger. Allez! C'est ça, tout droit. Continuez. C'est ça. Ah, deux pas. Hein, là, de la lumière, il y a quelque chose là, de la lumière. Ça marche? Voyons. Oh. Dominique. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais j'étais ici la première. Comment? Tu nous as entendu chanter, puis t'as même pas applaudi? J'ai pas applaudi, puis j'ai pas ri non plus. Plaignez-vous pas. T'es dans le programme? Par des mélos. Oh, c'est gentil. Merci. Hey, ça m'étonne pas que ça sonnait si bien. Regardez-moi les dimensions de... Ben, Lionel, chante-nous quelque chose. Non. Oh, envoyez donc, M. Donnet, juste pour voir comment ça sonne. Non, non. Au fait, Anna, je l'ai trouvée, cette chanson de vous, dont nous parlions la semaine dernière. Ah, oui, dans chaque pays. C'est ça? Mais je chante en do. En dos, hein? Oui. Dans chaque pays, il y a la grande ville où mille maisons cachent le soleil. Il y a le bruit des voitures qui filent, il y a le commerce, les grands hôtels. Il y a le monsieur pressé qui n'est pas content. Marie Lebrun, c'est vous? Qui prend bien son temps. Et les amoureux qui n'ont que 20 ans s'en vont dans la rue en écoutant le chant d'un oiseau moqueur et son turlututu. D'un oiseau moqueur et son turlututu. Bon, ben, si on savait ce qu'on est venu faire ici maintenant. C'est clair. Et mal enfant qui est avec nous. Pour moi, il s'agit sûrement d'un programme sur la chanson. Ça me semble. On aurait pu s'en douter avant, vous pensez pas? Ben, pas forcément. Écoutez, nous avons tous été associés, les uns et les autres, à la création de la chanson canadienne, hein? Mais nous avons tous été obligés, chacun de notre côté, de trouver autre chose pour vivre. Donner des leçons, faire de la télévision, de la radio. Ou du cinéma, comme Pierre Pétel. La chanson, pour nous, ça a toujours été un à côté.
Mais est-ce qu'on ne peut pas vivre de la chanson ici? Oh, nulle part dans le monde, je pense. C'est difficile de vivre pour un compositeur de vivre de ses chansons. Et je me demande si c'est une existence aussi enviable que ça. Dans le fond, c'est un miracle qu'il y ait encore des gens qui veulent écrire des chansons. Surtout qu'il y a tant de façons de faire de l'argent autrement. Mais comment expliquez-vous qu'il y a toujours des jeunes que le métier tente? C'est parce qu'il faut vivre pour chanter et non chanter pour vivre. On pourrait dire aussi que s'il est difficile de vivre de la chanson, il est impossible de vivre sans chanson. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Tiens, là quelqu'un. Bonjour. Ah, enfin, on va pouvoir savoir ce qu'on est venu faire ici. Oui, oui, je vais tout vous expliquer dans une minute, mais... Vous n'aviez pas vu M. Laroche, Gilles Laroche? Ah, t'en as pas, Laroche. Trop vu. Inconnu. Bon, voilà, excusez-moi, je vais revenir dans une minute. Bien. On n'est pas pu avancer comme l'État. Eh ben... Mais qu'est-ce qu'on disait avant l'interruption intempestive de ce jeune homme? On disait qu'on ne peut pas vivre sans chanson. J'ai pensé à ça bien des fois. Et tout ce que j'ai connu dans ma jeunesse, il me semble que c'est par les chansons qu'on l'exprime le mieux. Oui, ça c'est vrai. Il y a des sentiments qui s'expriment que par la chanson. Une bonne chanson peut faire sourire au bon moment. Ah, mais c'est comme ma chanson, Les Trottoirs. Ça fait rien. Continuez. Apprends ta chanson, Le mari malade. Le mari malade. Viens donc voir, Dominique, je le lis ici. Ah oui? Oui. Je l'ai en sol, je sais pas si ça va te convenir. En sol, oui. On va essayer. Oui, on va essayer. Ça va, ça va? Mon mari est bien malade, en grand danger de mourir. Déjà son esprit s'évade, pas moyen de le retenir. Et pourtant, je l'aime bien, mon mari, je l'aimerai toute ma vie. Ça? Oui. Un deuxième? Ok, ouais, c'est le deuxième. Je m'en allais à la ville pour chercher le médecin. La campagne se défile, que c'est beau le voyage en train. Et pourtant, je l'aime bien, mon mari, je l'aimerai toute ma vie. Un autre? Voici le troisième, hein? Ouais, okay. Ça va. On fit un petit bal à l'huile pour fêter mon arrivée. C'est affreux comme les jours filent, toutes les semaines y ont passé. Et pourtant, je l'aime bien, mon mari, je l'aimerai toute ma vie. Ah, j'ai eu ma note. Moi, je me suis trompée là, par exemple. Oui, toujours est-il que quand la jeune femme revient au village, elle arrive juste à temps pour entendre chanter le Libera. Son mari est à mort? Oui. Et après le Dieu-Ciré, elle décide de choisir un autre époux. Je vous ai pas déshonoré toujours? Non, au contraire, vous m'avez fait plaisir. Merci. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il me semble. Une histoire comme celle-là, dans un vaudeville, a peut-être pas sa place. Mais dans une chanson, ça passe. Ce que vous pouvez pas dire, sifflez-le. C'est exact. Il y a toute une gamme de sentiments légers qui s'expriment beaucoup mieux dans une petite chanson que dans un long poème. Tenez, par exemple, une chanson inoubliable, à mon avis. Trottoir. Oui. Qu'est-ce que je disais, là? Mais vous disiez que c'était pour chanter une chanson inoubliable. Ah ben, ça y est, maintenant, je l'ai oublié. J'en étais sûre. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. C'est que si, aujourd'hui, tant de jeunes gens se lancent dans la chansonnette, c'est que, justement, ils sont à l'âge d'exprimer ces sentiments légers. C'est pas ton avis? Sentiments légers. Moi, je me souviens qu'à l'âge de 20 ans, j'écrivais des chansons plus tristes, infiniment plus tristes et plus mélancoliques que celles que j'écris aujourd'hui. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a plus de bonheur. Les situations sont plus heureuses que celles que j'écrivais autrefois. Un instant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour ta tête, un oreiller, et pour tes yeux un peu de ciel d'été, et pour tes mains ma main à caresser, et puis la mer pour lit, ma bien-aimée.
à l'infini, très loin des violons et des bergers vêtus en chevaliers. 40 fous du roi, tout maquillés, des anges nous guettant. Je veux dire que dans une chanson, on peut exprimer des sentiments profonds. Moi, j'ai toujours pensé que beaucoup de jeunes essaient d'écrire des chansons parce qu'ils croient que c'est facile. Ils s'imaginent qu'avec une petite mesure à trois temps, des petites paroles qui riment à peu près, et puis qu'avec un petit peu de chance, ils peuvent devenir célèbres. C'est possible, Dominique. Ouais. Tout le monde peut, à la rigueur, trouver une mélodie chantable ou des paroles un peu présentables. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça fait une chanson. C'est pas ça, une chanson. Oui, il faut d'abord commencer par un bon sujet, une bonne idée, ensuite la traiter musicalement, rythme et mélodie, avec des moyens qui cadrent avec cette idée. Bon, c'est ça, oui. Tiens, regardez donc qui c'est qui nous arrive. Bonjour, madame. Bonjour, tout le monde. Vous n'avez pas vu M. Laroche? Ah non, on n'a pas vu M. Laroche. Il y a trois fois qu'on nous a demandé si on a vu M. Laroche. On n'a pas vu M. Laroche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend Laroche. Je vais attendre Laroche. Belle jeunesse, hein? Où est-ce que vous aimeriez ça, si on dansait sur vos chansons? Ben, ça dépend qui la danserait et comment. Enfin, on peut faire à peu près tout avec une chanson. Et peut-être qu'un jour, on dansera une de mes chansons à l'Opéra de Moscou. Toi aussi, Félix? Hein? Il me semble que je vois déjà ton nom sur les affiches. Comment ça s'écrit, Bozo, Horus? En tout cas, dis ce que vous voudrez, mais moi, j'aimerais que les gens dansent sur mes chansons. Oui, mais pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, comment un jeune peut-il savoir s'il a le don? Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien, quoi. Ben, il n'y a qu'un seul moyen. C'est d'abord d'essayer, ensuite de consulter les gens qui s'y connaissent. Puis si on a vraiment du talent, il n'y a aucune raison qu'on n'attire pas l'attention de quelqu'un. Et après ça, la postérité? Oui, ben la postérité, c'est un bien grand mot. Non. Oui, mais justement, est-ce que les chansons qu'on écrit de nos jours peuvent rester, être connues plus tard? Oui, moi aussi, j'ai souvent pensé à ça. Il me semble que le folklore ne se fabrique plus. Il était un temps où les chansons semblaient pousser du terroir. Et moi, ça nous paraît comme ça aujourd'hui. Les gens chantaient au travail, les mères chantaient pour leurs enfants, et dans chaque ferme, il y avait une fille qui surluttait. Oui, naturellement. Si on continue à discuter tradition orale et tradition de bouche à oreille, on n'en finirait plus. Mais heureusement, aujourd'hui, on enregistre tout sur film ou sur disque. Alors si dans l'avenir, on sort tel disque assez souvent, les gens finissent par l'associer à une certaine époque ou un certain pays. Et c'est peut-être ça, le nouveau folklore. Ben, si la postérité choisit ses disques par ordre alphabétique, t'as eu une bonne idée en composant Aglaé. Ah, c'est peut-être pour ça que t'as écrit Bozo. Ah ben t'es beau, t'es bon, t'es fait. Oui. Ça a commencé dans une soirée où il y avait de beaux cavaliers.
c'est Ernestine. Il m'a dit, Aglaé, veux-tu venir, on va danser. Profitons de nos 20 ans, profitons du beau temps, profitons du printemps, quand on sera vieux, il sera plus temps. Il a marché sur mes souliers, mais il était si léger. Il m'a dit, Aglaé, même si je m'appelle Ernestine, il m'a dit, Aglaé, veux-tu venir dans mon bouquet? Profitons de nos 20 ans, profitons du printemps, profitons du printemps, quand on sera vieux, il sera plus temps. On est allé faire une tournée, un petit peu s'est embrassé, a essayé de me chiffonner, bout des doigts lui est tapé. Il m'a dit, Aglaé, même si je m'appelle Ernestine, il m'a dit, Aglaé, je n'en peux plus, faut nous marier. Profitons du printemps, publions tous les vents, faut élever des enfants, quand on sera vieux, il sera plus temps. Au mois de mai, on s'est aimé, et des becs qui en ont volé, on a passé devant le curé, et 9 fois fait baptiser. Il m'a dit, Aglaé, même si je m'appelle Ernestine, il m'a dit, Aglaé, je pense qu'on a fait travailler. Alors, Dominique, es-tu toujours inquiète pour l'avenir de la chanson canadienne? Oh, je suis pas inquiète du tout, mais je me demande si avec les disques, la radio, la télévision, les jeunes ne perdront pas l'habitude de chanter eux-mêmes. Ça m'étonnerait bien. Quand on est jeune, l'envie de chanter est toute naturelle. On chante comme on respire, parce qu'il fait beau, parce qu'il pleut, pour tout, pour rien. Non, on n'empêchera jamais la jeunesse de chanter. Pas plus qu'on peut l'empêcher de danser, vous avez vu? Naturellement, aujourd'hui, on chante peut-être moins dans les familles qu'autrefois. Mais enfin, on chante à l'école, on chante à l'église, on chante dans des chorales. Enfin, aujourd'hui, si un vrai talent se perd, ben, c'est qu'il le veut bien. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah non, on n'a pas dit ça. Je me disais, de la musique, des tentures, des danseurs. Ça y est, la chansonnette canadienne est sauvée. Pourtant, il me semble que je vous ai déjà entendu vous plaindre. Enfin, nous trouvons de temps en temps qu'il se chante un peu trop peut-être de musique américaine, de musique française, et pas assez des nôtres. C'est assez naturel. C'est assez naturel, mais je me méfie des gens qui disent « Ah, pendant la guerre, en l'absence de la chanson française, les nôtres avaient une chance de se faire entendre. » C'est un peu vrai, mais si ça prend un massacre mondial à chaque fois que les nôtres veulent se produire. Oui, c'est exiger un peu trop des concurrents. Oui, mais quand même, s'il y avait moins de concurrence. Oui, tout ce que nous demandons, c'est de combattre à armes égales. Mais nos droits d'auteur, vaut mieux ne pas en parler. Puis quand enregistrer une chanson, c'est toute une affaire. Ah, j'admets qu'il existe un marché de la chanson au Canada, mais on se demande parfois s'il est fait pour les Canadiens. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Félix? J'en pense rien. Plutôt, je pense qu'on a de la difficulté à faire entendre aux éditeurs qu'on présente une mine d'or. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une chanson est canadienne? Ça, c'est plus difficile à expliquer. Est-ce que c'est la mélodie? Les paroles? Les sujets? Mais ça, c'est assez difficile à dire. C'est un tas de choses. Mais une chose bien importante, c'est le rythme. Oui, c'est le rythme, si tu veux. Mais moi, je dis que faire une chanson, c'est avoir les deux pieds bien à plomb, bien solides dans un pays. On y vient au monde, on y vit, on y meurt. Ça peut être la mélodie, le rythme ou les paroles. Tout ça à la fois ou séparément.
Mais une chose sûre, c'est que ça se sent. Disons, Donnet, toi puis moi, on habite la même rue. Ça veut pas dire qu'on verra les mêmes choses. Ni qu'on écrira les mêmes chansons. Justement. Ça sera deux chansons différentes qu'on fera. Seulement, les gens diront, voilà des gens d'un même pays. Tu prends les trottoirs de Raymond Lévesque? Les trottoirs? Bon, enfin. Avez-vous remarqué sur les trottoirs les petits enfants s'amusent? Avez-vous remarqué sur les trottoirs les grands passent et les usent? Avez-vous remarqué sur les trottoirs les petits enfants jouent aux billes tandis que leurs aînés au front tout noir passent et dégueulent leurs billes? Avez-vous remarqué sur les trottoirs les petites filles jouent à la mer et les petites poupées sans le savoir ont un père à la guerre? Car sur les perrons de petits soldats se livrent dures batailles, mais ça ne dure pas long quand un soldat tombe sur le derrière et puis braille. Avez-vous remarqué sur les trottoirs les petits enfants se racontent tout improvisé de belles histoires qui valent au moins bien des contes? Quelquefois des grands dans l'auditoire ridiculisent leurs proses, mais ce n'est pas les grands, vous pouvez me croire, qui pourraient faire la même chose. Avez-vous remarqué sur les trottoirs quand on regarde tout en haut, on peut voir briller dans toute sa gloire le ciel et son flambeau? Mais les grands qui passent sur les trottoirs ne voient jamais la lumière, car les grands qui passent sur les trottoirs regardent toujours par terre. C'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande si cela est dans votre vue. C'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande que les grands marchent dans la rue. À ces trottoirs-là, rien ne nous dit que ce soit les trottoirs de Montréal. Ça peut être les trottoirs de n'importe où. Ce qui compte, à la fin... C'est que ce soit une bonne chanson. Une chanson humaine. Le reste, c'est des histoires. Je suis fatiguée, moi. Si on faisait quelque chose... Une bonne idée. Je descends. Cette nuit, dans mon sommeil, je t'ai enlevé de ta tour. J'avais dérobé le soleil pour que jamais vienne le jour. Nous courions dans les prairies, les rubans volaient au vent. Nous avons bu dans nos mains à la source du matin. À la porte d'un château, nous sommes entrés sans frapper. Des lutins, tambours au dos, nous attendaient pour danser. Sous une lune d'opale, nous avons ouvert le bal. Moi qui ai jamais su danser, j'ai dansé à perdre pied. Puis rendu à l'horizon, de beaux anges à cheveux longs ont avancé un nuage et nous ont poussé au large. On voyait d'en haut la terre, toute noire, pleine de misère. Toi tu as dit, c'est nos frères, redonnons-leur la lumière. Donc nous sommes redescendus, puisque le soleil je l'avais. À la foule je t'ai rendu, et le matin s'est refait. J'ai la promesse des anges, qu'après le jugement dernier, on reprendra ce bal étrange, et pour toute l'éternité. On reprendra ce bal étrange, et pour toute l'éternité. Thank you.
Excusez-nous, je crois que nous sommes un peu en retard. Ah non, monsieur, pas du tout. Vous n'êtes pas en retard du tout. Ah, ben alors, c'est très bien comme ça. Vous êtes, monsieur? Laroche. Ah, monsieur Laroche, c'est Laroche. C'est Laroche. Alors, bonjour, tout monsieur. Est prêt, on peut commencer? Ben oui, comme vous voudrez. Alors, c'est parfait. Messieurs, dames, ici Gilles Laroche qui vous parle au nom de l'Office national du film. Au programme aujourd'hui, la chanson canadienne. Vous savez comme moi que la chanson... Ah, attendez, là. S'il est question d'un programme de chansons canadiennes, je regrette, mais vous êtes vraiment en retard. Le programme est terminé. Mais comment terminé? Oui, tout est fini. Mais qu'est-ce que vous faisiez alors? Nous chantions. Vous chantiez? Oui, nous chantions, ne vous déplaise. Et maintenant, nous dansons. Et alors, si c'est le cas, eh bien, l'Office national du film vous a présenté un programme sur la chanson canadienne. Avec mesdames Anna Malenfant, Dominique Michel, messieurs Lionel Daunet, Félix Leclerc et Pierre Baudet au piano, de même qu'avec le concours de Madame Elizabeth Lees et de ses danseurs. C'est Gilles Laroche qui vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Pour prendre ce bal étrange et pour toute l'éternité.